pays et ça moun sa yo sorti aux États-Unis. Et dans même idée ça tout gagne un groupe officiel américain qui gagne la dans sénateur avec député qui yo même écrit administration Harris Biden Harris là yon lettre et parmi moun sa yo nous capable citer sénateur Ed McKay, Yvette Clark, Marco Rubio, cher Phyllis McCormick et cher Phyllis McCormick qui c'est yon député américain d'origine haïtienne. Et ben yo di nan lettre là, yo di pour camper sous déportation. Yo di c'est un danger pour moun ap voye moun tourner dans un pays tankou Haïti côté que vi moun nan pral en danger. Donc yo voye lettre là, c'est pas première fois que les moun nan congrès a parlé de parlementaire que c'est député ou bien sénateur voye lettre ba administration Harris là pour yo même capable camper sous question déportation. Donc yo dernièrement là on était ba une conférence pour la presse côté que t'a demandé pour redésigner TPS là ou bien pour prolonger TPS là statut protection temporaire. Yo était dans Washington DC, nous avons un reportage avec Jean-Robert Philippe qui lui-même t'a abordé question hein, avec eux, et yo était ba une conférence sous dossier ça. Et puis l'autre point que nous capable signaler gain aéroport international tout ça l'ouverture là qui était fermé ça gain 2 mois à cause activité gang armée, eh ben, aéroport sur route pour le relouvrir. Et Sunrise Airways, lui-même l'a annoncé que la pour prendre opération vol Lio à partir de lundi cap 20 mai. Donc, lundi cap vini là. Il a commencé à faire d'abord, trajet itinéraire que il prend les cap haïtiens, il prend les Okai. Et il tout, il prévoit tout pour prendre timidement, pas à pas, pour y aller Panama, Saint-Martin, Guadeloupe. Et après ça, il est capable de Saint-Domingue. En attendant que toute bagaille mette en place pour être capable de reprendre l'activité normalement. Donc, aéroport international, tout ça, l'ouverture a beaucoup ouvert vraiment. Cependant, il y a un avion qui entre de temps en temps, notamment un avion américain qui portait matériel, non seulement matériel pour PNH, mais tout pour parer avec premier contingent qui vient pour arriver dans le pays d'Haïti, premier contingent pays Kenya qui vient pour arriver dans le pays d'Haïti, il dit 200, pour gain pour arriver dans le pays, il parlait de 23, il parlait de 26, mais cap vini là. On croit c'est en gros ça nous gagne pour et pays d'Haïti nous capable aller caï voisin. On a parlé de République Dominicaine qui lui-même va organiser élection dimanche cap vini là. Et ben d'après sondage elle dans élection cap vini qui est pour faire dimanche là, et ben président actuel, la président dominicain actuel là, on a parlé de Luis Abinader, lui-même lui prêt à chercher un deuxième mandat, lui c'est grand favori pour lui remporter et course là, lui compter sur bon dossier économique là pendant que li mettait en pile et li quoi en pile sous détermination que le prouver que le gagne pour par rapport à crise haïtienne très présent dans campagne électorale et dans la République dominicaine et il y a une question qui est capable aider Luis Abinader et remporter la victoire non seulement dossier économique là mais fermeté que le gagne par rapport à question Haïti et puis tout et rapport avec les États-Unis côté que dernièrement là l'elle d'aller dans la Maison Blanche président Joe Biden félicite elle pour leadership li dans région donc élection ça après le fait concernant élection que élection ça et ben AFP agence France Presse t'est parlé avec politologue Rosario Espinal qui lui-même fait connaître Abinader a dirigé la direction pour une réélection confortable donc sans problème et donc non seulement élection la pral remporter élection comme président mais tout li gen pile possibilité pour parti la remporter en pile siège encore dans parlement d'après dernier sondage Gallup fait monsieur Abinader qui gagne 56 ans monsieur gagne 60% vote yo devant ancien président Leonel Fernandez qui lui-même gagne 25% je sais qu'il était dirigé République Dominicaine sorti 1996 pour 2000 2004 pour 2012 il tournait en troisième, et il est venu à 25% lui-même. Et puis, monsieur Abel Martinez, lui-même, il gagne 13%. Donc, 25% pour ancien président, et Leonel Fernandez, 13% pour Abel Martinez, et puis 60% pour Luis Abinader. Donc, élection 1, n'a pas gagné pita, un reportage sur présentation élection 1 en République Dominicaine pita avec un envoyé spécial. La voix de l'Amérique. Et puis, dans l'international, là, jodi a, c'est procès historique, ancien président républicain Donald Trump,
qui reprend Jodia dans New York. Faut dire que hier, c'était un jour te prend. Et c'est ça qui fait tout que dans chirépit, pas dans chirépit, dans échange qui gagne, dans boucantage de parole qui gagne entre président démocrate Joe Biden avec ancien président républicain et Donald Trump, eh ben, il y a parlé tous les deux gagne pour y aller faire débat en juin et en septembre. C'est Joe Biden qui mandé, qui dit qu'il voulait aller faire un débat avec Donald Trump. Donc, il l'a fait en juin et en septembre, donc, en pile causé qui parlait, c'est ça qui fait tout, et Joe Biden fait un, bah, connaissez son joke, si son jouet, si son blague, mais il dit, Donald, Jodia ou libre, mais c'était pour faire référence à, pour ça, pour dire, ou libre Jodia, parce que l'autre joue pas libre, faut aller en tribunal, en nous faire Jodia. Donc, c'est pour nous tout parler de procès, ça, Jodia, nous connaissons qui ça procès, c'est, en 2016, dans campagne, en plein campagne électorale, eh ben, et d'après accusation yo, ancien président républicain Donald Trump lui-même l'était acheté silence et vedette porno Stormy Daniels côté le débal $130,000 pour l'acheter silence pour pas dire que le tenant a fait boboutage amoureuse relation sexuelle avec et avec président, ce qui est illégal, c'est un crime ici aux États-Unis. Et moun kap témoigné depuis quelques jours déjà, c'est Michael Cohen. Michael Cohen, c'était, yo rele en anglais, yo fixeur. Mais c'est, ça nous entend pas fixeur. C'était premièrement aux amis, et ancien, aux amis, il était amis président, il était avocat tout. Donc c'est lui kap témoigné, il dit clair que voulait que condamner, et ancien président, et pour parce que lui-même il sentit que le président était joué, le président trahil, lui-même il a en pile menti, il d'accord te bail menti, il prend tout prison à cause de menti qu'il te bail sous serment. Donc il dit que l'état aimé que yo condamné le président. Donc ça il a fait qu'on y a yon, ça oui en anglais cross examination, il était fait déposition, il te répond question et jodi a dans cross examination nan il va gagner pour répondre question ou bien s'il répond déjà question et avocat ancien président républicain Donald Trump. Donc Cohen c'est pratiquement dernier témoin la prépond il devant un jury a gain 12 membres là-dedans. Donc c'est comme ça est, nous va gagner un reportage pita nous gain Valerio qui c'est lui qui sous place. Et puis l'autre point dans actualité a gagné la Chine lui dit lui-même la pral réagi kif avec les États-Unis. Et semaine ça, on dit avant hier que président Joe Biden il était bail nouveau tarif, il augmenté même tarif sur pile appareil électronique notamment et machine électronique yo, et puis l'autre question qui a rapport avec électronique et la Chine dit lui-même la va répondre kif. Pendant que nous dit la Chine a répondre kif, la gros réunion qui a commencé jodi a et ses visites président Rusla Vladimir Poutine nan en Chine. Donc c'est son visite deux jours qu'a fait et yo déjà même entendu sous des accords entre deux pays yo parlé qu'on y a monsieur spécialiste a parlé de rapprochement économique sino-russe bien que était déjà rapproché mais gèlè y a mettre en pile et accent sur des arrangements entre deux pays yo n'a parlé de la Chine avec avec la Russie, surtout dans le moment que la Russie lui-même, il y a une guerre à mener contre l'Ukraine. Et il faut dire tout pour l'histoire que la Chine n'a jamais dit que lui avec la Russie dans la guerre, mais il n'a jamais dit tout que le compte. Mais, mon cap analyse dit, suivez mon regard, nous comprenons qui Jean, ça y est, qui positionne la Chine. Et puis, l'autre point d'actualité que nous sommes capables de signaler, c'est Slovaquie, gagné premier ministre là qui prend plusieurs balles, on a parlé de Robert Pico, hier monsieur Tenant, non, pendant monsieur, nous avons fait une réunion gouvernementale, mais il prend 5 balles, les gars, tirer. Et ministre dit, et demain ça, 18 mai ça, qui fête du drapeau et de l'université. Donc, nouvelle show qui gagne, nouvelle qui show qu'on y a là, eh ben, c'est un paquet de bandits qui envahit local, cours supérieur des comptes et du contentieux administratif. C'est une institution qui est prestigieuse et qui est très, très importante.
Et donc, non seulement ils ont envahi Jodia, mais d'après quelques informations, depuis hier, ils étaient déjà ciblés, cours supérieur des comptes là. Et Jodia, ils ont entré là-dedans, nous ne connaissons pas. Et quantité de dégâts qui fait et qui s'est fait là-dedans, peut-être n'a pas le pour nous prendre contact Pita avec correspondant nous dans Port-au-Prince qui va dire nous exactement qui s'est si au capable de parce que le bandit a opéré et ben moun pas carré trop près donc n'a pas pour nous voir que et ben c'est un pile gros institution nous moun en français n'a dit régalien que il a attaqué et nous connaît que déjà passé dans Inat et J.P. Damien, il est pas dans la Bibliothèque nationale, il a attaqué le Nouvelliste, qu'on y a la Cour supérieure des comptes. C'est une situation qui a évolué dans le mauvais sens, bien que il y a un peu de monde qui te parlait d'un petit calme qui te gagne, mais quand même, il y a des bails qui fait, notamment, Grécier, c'est un adayo, et Ocha, dans un rapport, là, parlait de incident Grécier. Donc, et son groupe bantique qui a envahi local, Cour supérieure des comptes, là, Cour supérieure des comptes, la Bablé, il est tout près Palais National. C'est dans le même giron, côté que t'as supposé, il t'a même presque une zone stérile, qu'on dit, et t'as supposé gagner, et la police avec l'armée d'Haïti, là. Et puis, l'autre point concernant le pays d'Haïti, c'est chef Binuan, qui c'est Maria Isabel Salvador, qui c'est chef bureau intégré Nations Unies en Haïti, et qui c'est représentant tout, secrétaire général, là, Antonio Guterres, dans le pays d'Haïti. Donc, il était réuni hier avec conseil présidentiel transition, ils ont discuté notamment de questions sécurité, mais surtout ils ont parlé tout de résolution 2699 conseil sécurité Nations Unies qui lui-même même s'il passe sous l'obédience l'ONU mais qui d'accord que force multinationale pour soutien sécurité dans le pays d'Haïti Cap Gatet le Kenya et ben pour entrer dans le pays d'Haïti donc c'est point ça yo nous pas connaît qui l'autre encore que y aborder mais et réunion était faite, son réunion qui fait entre Madame Maria Isabel Salvador avec conseil présidentiel transition. Et n'a pas rappelé que semaine qui vient là, son semaine qui déterminant parce que gagnons contingent et Kenya cap entré dans le pays environ 200 d'après ça on dit. Et puis c'est dans le même moment ça tout que président William Ruto lui-même l'a entré aux États-Unis pour une visite spéciale. Donc, semaine prochaine, a gagné en pile actualité, surtout sous question mission ça. Donc, tant qu'on te dit, et l'autre point d'actualité à concernant le pays d'Haïti, c'est fête drapeau A, qui a déroulé demain, c'est 18 mai, rien de spécial. Mais cependant, dans diaspora, il y a pile côté qui a fait activité, notamment, il y a fait dans New Jersey, il y a fait dans New York, il y a fait dans et Georgia éventuellement, et mais côté qui a gagné gros bagarre là c'est dans Miami avec Compas Festival. Donc comme d'habitude VOA Creole à présent dans Compas Festival. Tout monsieur a descendre les Fred Kaimi, Valério Saint-Louis et Gentil Augustin Junior, Abela, Jean-Robert Philippe, pratiquement c'est moi-même avec et Sandra Rodriguez qui pas là, Assemblée Marie-Louise Pierre et Serge Michel. Mais comme Serge Michel déjà en Floride, donc monsieur a bien fait coup de pied. Donc lundi n'a un reportage complet sous et Compas Festival là pour ou même qui pas de ka aller ou bien tout ou capable suivre nous ou capable suivre nous en direct parce que n'a en direct et n'a sous place et puis gen bureau affaires humanitaires Nations Unies on a parlé de OCHA qui publié dans tête collé avec partenaire humanitaire yo un rapport sur situation humanitaire dans capitale la Port-au-Prince sorti 9 pour arriver 16 mai 2024 d'après rapport a et bien aussi à les violences dans commune et Grecia qui fait que 4400 moun qui courir quitter région et pas me fait connait que moun sa yo li a bayo manger quantité moun qui victime zak violence qui basé sur 6 moun en garçon ou femme et ben multiplié par 5 en deux premiers mois avec mois de mars là côté yo sorti de 250 à 1543 c'est sacré les quintuplé et multiplié par 5 sorti dans 250 pour arriver dans 1543. Il dit que violence sexuelle représente 75% incident qui est enregistré. Là où dit incident qui est enregistré, ça veut dire qu'un pile incident tout qui pas enregistré. Donc soit là ça pas enregistré tout, donc chiffre là encore plus gros. Bon monsieur qui fait statistique, gonjan pour arrondir les angles pour capable présenter au lit de façon
qui est plus professionnel. Et toujours d'après rapport OCHA, Programme Alimentaire Mondial PAM, après 2 mois blocage, et bien pour raison sécurité, et bien reprendre activité depuis semaine qui s'est passée là, avec distribution produits alimentaires, surtout dans la Cité Soleil, côté environ 95 000 mounes, et bien, ils ont joué manger. Donc, son rapport que OCHA fait, il y a un aspect économique, il dit que il y a un problème de financement. Et lui-même lancé un appel à la communauté internationale là, pour lui-même lui capable aider moun ONG qui travaille en Haïti, surtout dans le côté que l'insécurité a plus touché. Donc, il y a un aspect et santé tout côté que yo di gen clinique mobile qui bay et qui bay soin et fon dit tout que porte-parole la Maison Blanche Farah Khan les mêmes lité bay un briefing mercredi qui se passait là côté que il te parlait de assistance que organisation humanitaire yo a bay dans pays d'Haïti malgré situation rete compliquée. Et puis rapidement parce que nous pas prétend pile n'a dit que dans ici aux États-Unis bon gen, Israël Hamas là toujours est là et nous connaît que grand pile qui a sauté Nations Unies grand pile qui a sauté pour présence force israélienne qui rentre dans Rafah, il a progressé dans Rafah pendant ce temps gros pont que les États-Unis ont bâti un pont flottant, les même sont pont humanitaire côté que ça permet que yo bay assistance pour Gaza mais jusqu'à présent toujours grand pile qui a sauté concernant pour en Gaza parce que grand pile et agent Nations Unies moun qui a travaillé avec Nations Unies pour la question et activité humanitaire yo même tout yo était obligé quitter donc il y a pas en pile de pont ça. Et puis l'autre point encore gen président Rusla président Rusla Vladimir Poutine lui même qui mettait fin dans un voyage qui mettait fin dans un voyage 2 jours que il était fait dans pays la Chine côté que il était gain ici plusieurs contrats. Et fait plus, je t'attendais avec président chinois Xi Jinping et il est content de ce que gon rapprochement qui fait entre deux pays ça yo et nous connecte tout que et grand pile causé des rencontres ça yo tout les deux grands rencontrés comme ça et puis gagne tout gagne la Chine qui pas jamais proposition claire sur guerre Israël non et pas guerre Israël en Hamas non mais guerre la Russie a fait contre Ukraine et il pas jamais bailler en position claire sur lui il pas dit ni pour ni li contre. Et puis l'autre point que nous capable signaler nous connaît que procès historique ancien président républicain Donald Trump lit toujours dans actualité surtout avec déclaration tête chargée que Cohen a fait depuis mardi mais yon ti jan et avocat Monsieur Trumpio, eh ben on t'y a mêlé, monsieur. Donc, bah, là, t'y a très compliqué. On t'a fait cross examination. Parce que monsieur t'es fini répondre une question, monsieur t'es fini faire des positions. Mais qu'on y a, avocat, ancien président lui-même, il est venu pour lui, capable de faire éliminer toutes dépositions, toutes questions que le répond. Donc, bah, là, on t'y a compliqué. Donc, je dis à président, ancien président, et républicain, en parlant de Donald Trump, les mêmes qui, après assister dans la graduation, et petit Lee Baron, dans high school graduation, ça veut dire, et fin études primaires, dans Florida, et ancien président mettait tête libre pour Minnesota. Minnesota, son état qui est très spécial parce que son état qui foncièrement démocrate, et l'hypogogène perdu une élection présidentielle, et démocrate l'hypogogène perdu une élection présidentielle depuis Richard Nixon en 1972. Donc c'est là que ancien président pour aller. Et puis, Premier ministre Slovaque Robert Fico, lui-même, 2 jours après tentative d'assassinat, il a une deuxième opération que pour le faire là, pour être dans quelle mesure que capable. Allez, ça déjà une fois, pour l'être mieux, pas qu'on ait un plan. Mais, peuple haïtien, nous faisons dire nous, et pas faire de ma femme, regardez. C'est pour moi. Pour nous, c'est pour ça que nous faisons notre pays. C'est pour ça
gouvernement responsable. Si il y a des lapins haïtiens, nous ne pouvons jamais faire ça. Nous devons la venir. Les haïtiens, moi c'est mon local. Ouais, mon local. Merci. Ouais, le gouvernement fin établi. Depuis qu'on n'a pas de courant, je vais faire le gouvernement. Allez! Pourquoi ça a fait là? Moïse a fait une politique qui est bonne, imbécile, pas comprendre. Vous voyez qui est la cap, dit Quoi, bon cap? Moïse, vous imaginé, il met tout bagage dans l'esprit et il parle de la cap. Ah ouais! Depuis qu'on n'a pas de courant, là, j'ai le gouvernement. Et vous savez, c'est un cap, dit Quoi, bon cap? Puis Moïse, je dis un bagage pour capable satisfaire, combler des besoins avec ça. Est-ce que vous comprenez ça? Aïe, moi je cherche papa. Depuis que ça va faire, vraiment, il y a bien un problème avec nous. En tout cas, nous tous les peuples haïtiens, nous avons choisi un président, nous avons passé. Nous avons choisi un premier ministre. Nous avons choisi un premier ministre. Où est-ce que nous avons fini? Nous avons dit, pour le président, premier ministre, passé, même si on a demandé 4 fois, 4 fois, on a demandé oui. Ça y est, et j'en dis en désir, c'est de monsieur Sayo qui est bon. Elle me dit qu'on n'est pas qu'on m'a mis pour être barré, non, mais quand même, interpolitique, qu'elle va venir avec monsieur Désir. Et je n'aime pas ça, le fait ici à nous-mêmes. Et monsieur Calfou vérité, c'est vérité, nous bail, et puis pourtant des acteurs, en dedans d'acteurs, et puis en nous aller. Vous m'entendez maintenant, c'est ça, c'est ça, contrôlez. Dizel, est-ce que la constitution? Dizel, est-ce que la constitution? Mais contre ce conseil là, yo, constitution, hein? Article 149 là. Contrôle, pas de monde qui va dans le Dizel, pas de monde qui va dans le monde. Dizel, vous tombez la volée, vous tombez la volée. Non, 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 ou si son volant, son volant. Non, Dizel, Dizel, non, en sérieux. Vous parlez en volée. En sérieux. Ok, mieux. Non, en sérieux. Dizel, 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 non, en sérieux. Dizel, l'histoire du jour. En sérieux. Dizel, mettez la volée en prison, Dizel. Vous l'avez dans la prison en volant? Oui, Dizel. Dizel, il y a beaucoup de dans la prison. Même la fond bataille, il y a fond bataille. Vous êtes là. Vous pas qu'à demander mon côté mieux, comment il y a la mienne? Comme si le pays a rendu un paquet, il dégage une bonne frustration. Là, quand on va quitter le monde, dans plusieurs domaines, dans plusieurs champs. Moi, je commence à me dire, nous désirs.
C'est-à-dire, frustration qui a fini tout ça parce que on est capable de défendre le coup de cassation. Et puis, lui, finalement, c'est conseil à la Bali. Ça frustre. Et pendant ça frustre, là, attendre que le bon comportement, peut-être qu'il est capable d'apprécier, apprécier ou pas. De même, on est tout. Qui était dans qui dans qui révolution qui et lui ça qui fait là comme si c'est pour montrer comme si même gens qui sont dans une situation difficile tout et puis Jean Père est là la frustré d'abord avant elle là qui t'a dit dans question village de Dieu où est ce monde qui frustré mais lui-même il pas une frustration politique lui-même il font frustration par rapport avec situation paysan que Jean Père a dégringolé. On nous avancer avec maître Franz Jules Désir. Grâce au pays, la police a arrêté. Merci, commandant. Commandant, ne restez pas plus de nous. C'est bon, la Somalie. C'est bon, la Afrique est sérieuse. C'est bon, la Thessalie. C'est bon, la Pétion. C'est bon, la Pistole. À part le conseil là, parce que le conseil là est illégal, ni anticonstitutionnel, ni antipatriotique. Et là, faut que nous. Ça fait que nous sommes encore. Nous sommes encore. C'est quoi, vive la Constitution, vive la Constitution, vive la Constitution du 29 mars 1995. Merci la police. Très bien dit. Et la police m'a arrêté. J'ai dit, à ce que pour livrer, rien ne parle de palais national là, avec 9 causés, 9 volets, 9 égledoux, 9 gangs. Et ça me dit, Frontier B. Ne vole ça, yo. Qui compose le conseil présidentiel là, yo illégal, yo anticonstitutionnel. Ne vole ça, yo. Yo antipatriotique. Ne volez ça, yo. La police, pas du droit d'avoir sécurité. La police, son force légale guerrière. Et pas du droit d'avoir, ne volez ça, en sécurité. Hein? Nous t'avons dit qu'il y a des plus. Nous avons parlé avec la police nationale. Qui a le prérogative du monopole exclusif de la violence légitime attaquer la police. La police a les meilleures obligations, de se mettre en face toute initiative visant à créer du chaos dans le pays. Cela veut dire qu'en signe de prévention, que faut préparer d'obtempérer à la présente formation, ils se recopient. La police, depuis que France LB, papa nos missions, arrêtez de ne voler ça, ne faites ça, ne faites tout ça, arrêtez France LB. Parce que, ou bien le fait de la désobéissance, c'est la loi qui fait ça. C'est la loi qui crée la police. C'est la loi qui fait de l'eau, c'est la loi qui fait de l'eau. Mais qu'il y a. Et je dis à là, nous sommes dans une situation exceptionnelle. La situation exceptionnelle, c'est la police nationale qui doit pouvoir. Mais il faut que je l'apprécie là, allez-y. Nous te sommes dans la police. Mais encore, nous sommes journal le sage. Les sommes journal le sage. En tant que chef de l'État, nous disons dans le sage, en tant que co-dépositaire de la souveraineté nationale, nous disons prends pouvoir, remets pouvoir avec la Cour de cassation. Disciple Tiouri. Ok, Abolocho. Disciple Tiouri, Abolocho. Ok, Abolocho. Parce que Tiouri, c'est celle-là qui est pour elle, il dit qu'elle soit Abolocho. Ok, non, c'est ça. Nous écrit monsieur Sayo, nous dit monsieur le coordonnateur. Il n'y a pas le choix